Bonjour à toutes et à tous, ici c'est avec Kai et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Earth of Iron 4 avec les Girac Yo les gens et Macintor. Salut tout le monde. Alors il y a des rires gras. Quoi? J'entends des rires gras. Ça tue quelqu'un dans les oreilles toi. Bon, là-bas, Europe, non, mais c'est 9 dehors, divisions. En vrai, ça aurait été drôle, nous. C'est des quoi? Brigade de chars de combat. Brigade de chars de combat, c'est quoi ça? Je vais fermer ça. Non. C'est quoi ça? Philippe Quétin? Philippe Quétin. Ah oui, c'est vrai que je suis en train. C'est vrai que je suis en train de. Oui, c'est vrai que je veux libérer le Québec de cette bande enculée de Canadiens. Tous les Anglais qui ont piqué le Québec. Le Québékistan. Vive le Québec libre. Québékistan. Ah moi. Et l'Afghanada. L'Afghanada. J'ai besoin de comprendre le concept. C'est Light Tanks. C'est quand même con que je ne suis pas expulsé à pied de ma faction. Ah écoute, ce sera le prochain DLC. Ils diront, oui, des innovations en termes de diplomatie. Bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je me penche sur mes self-propellés d'artillerie, que je n'ai pas. Le Canada, ça dit quoi, mes troupes, elles arrivent? Ouais, super, on est... Oh là là là, ouais, ils viennent... ouais, c'est vrai qu'ils viennent de là-bas. Ils sont en train de traverser, ils vont arriver à Suez. Le temps qu'ils arrivent, le port il sera construit. Non, en fait, allez là-bas, les gars. J'aime bien. Même au Groenland, il y a des ports et un aéroport. Bah, le rail là-bas. Ouais. Les closer support, on les met au Western Canada. On va rajouter du. Putain, j'en dis de l'Interwar Bomber. De Levy Fighter. Ah ouais, d'accord. On va mettre de Levy Fighter. On va mettre 200. Ou Labrador. Voilà. Ce qui est chiant, des fois, t'as des régions aériennes qui sont toutes petites. Oui. Comme la bite de l'Igirac, et des fois t'en as, mais elles sont grandes, genre l'Eastern Canada, quoi, le truc, ou le Western Canada. Genre le mec, t'as un truc, c'est à la limite de l'Alaska, et tu dis, ouais, va être à la limite de merde, là-bas, des 3, des 4 lacs, voilà. Des lacs majeurs. Bonne chance. Attends, comment t'expliquer avec mes closer support, je vais pas à mi-chemin, c'est pas grave, des mon merde, gars. Fais comme si on n'était pas là. Qu'est-ce qu'on te demande? Voilà. Je vous jure, ces gens-là. Vous me fatiguez, bande de rats. J'ai développé les pays de débarquement, c'est prêt en 3 mois. Bon, je vais faire un assaut terrestre, parce qu'à l'assaut, Domi. Désolé. Ah, sinon je pourrais débarquer là-bas, on voit une unité là-bas et l'autre là-bas. Il y a beaucoup de troupes en Nouvelle-Zélande, on va vérifier. New Zealand. Comment on peut savoir comment il y a des troupes, c'est guignol. Tu vas sur détail. Quoique le Canada, il a. Le Canada, je débarque avec 30 tro... enfin, 30... 40 troupes, il en a 3. Ah non, je peux pas annuler la Bulgarie. Je suis obligé de quitter la faction, ouais. Bon bah, ce qu'on fait, on achève les clans pas d'alliés. Ah, mais j'ai acquis. Ouais. Bon, les amis, ce qu'on fait, tu la quittes, t'achèves la Bulgarie, moi j'arrive pas en guerre contre toi. La Bulgarie va faire, ouais, ah, moi, viens à mon aide. Je vais faire, nope. Il va me dire, oh ouais, viens à mon aide, je vais te faire têter les yeux. Du coup, mais je peux pas vous aider pour les alliés. Mais tu reviens après, la Bulgarie t'en as pour 10 minutes. Ouais non, en fait c'est long de faire le casse du bélier en fait, c'est ça le... La vérité là, sur la vérité, t'as le mec. La vérité du Coran. Le Coran de la mec, je te jure. Hein? Oh là là, les mecs, putain, ils en sont que là quoi. Faction. Create your own faction. Hein? L'Italie est en train de faire des trucs sur la légionnaire Bulgarie. L'Italie, arrête s'il te plaît.
L'Italie, arrête. Ah non, en fait, fais ce que tu veux. Je vais rejoindre la faction du Japon. J'ai placé le convoi. Ah merde, il me faut des convois. Oh là là, le Canadien, il sent l'agression là. Il est en train de ramener, il a ramené toute son armée devant moi. Il avait un petit peu raison pour le Canada, sortir l'agression. Non, non, c'est pas notre genre, honnêtement. Est-ce qu'on aura donné le Labrador, c'est bientôt fini. Oui. Aucune. Ah, qui on a attaqué? On n'a jamais attaqué. Oui, non, non, non. Moi, enfin, j'ai presque. Attaqué personne. La France a attaqué tout le monde. C'est pour ça que j'ai quitté cette ignoble faction. Mais ça, écoute, c'est le truc. Putain, non, mais ça, Calimero, c'est le truc que tu donnes à l'ONU, tu sais, pour dire oh, j'ai quitté cette faction parce qu'elle est abominable. En fait, en cachette, c'est pour faire casse du bully sur la, la Bulgarie. Alors, c'est quoi ça? Pote. Donc là, il me dit dans combien de temps? Dans 180 jours, j'aurai assez de light tank. Dans 205 jours, j'aurai assez de medium tank. Bon, sachant que les light tank, après, j'ai plus besoin de les évoluer. Le type est un peu rétrécieux là, ouais. Ça. Ils ont des ressources en vrai. Ouais, deux tungstène. Puissance militaire du Québec, du Tibet, enfin, puissance même financière. Du qui? Le Tibet. Allez, le Tibet, il a pas de puissance. Le 10 septembre, voilà. Maintenant, service requirement, ouais, construction, construction de. Ouais. Allez, comme ça, dès que c'est fait, j'y redirige là-bas et je vais les épiques défoncer. Ah, quoique, je peux garder l'autre unité là-bas. On va leur faire mission. Patrouille. On patrouille là. Là. Et là-bas. Voilà. Ensuite. Navy. Automatic split off. Voilà, comme ça lui va me réparer les trucs endommagés. Oh là là! Insuffisante ressource. L'américain, j'ai besoin de pétrole. Ah ouais. D'accord, j'en consomme un tout petit peu du pétrole, hein. J'en consomme, j'en importe 144, sachant que j'en produis 175. Qui c'est qui se branle avec sa souris, là ? Je supprime toutes les lignes de production, de construction. Ah ouais, tu... Non, sérieux ? Comment ça ? Mais t'es un grand malade ? Ah, de construction ? Ouais, 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 de construction, parce que... Ah, je crois que c'était de production. J'en étais trop, j'étais un petit peu trop usine militaire, quoi, si tu veux. Il y avait plus de 500 000 constructions d'usine militaire. Ah oui, enfin, je me suis... c'est beaucoup. Ouais. Non, enfin, c'était 50, je crois, compter. Ah j'ai 33 usines moi qui viennent du commerce. J'exporte quoi? Ah oui d'accord, j'exporte un petit peu beaucoup. Bon. Oh, faut attendre encore novembre, 2 mois pour pouvoir foutre sa gueule le Tanutuba. 2 mois, vous rendez compte, pour pouvoir taper le Tanutuba. C'est du foutage de gueule ça. Ah voilà. Mon armée du Canada, j'ai envoyé mes 24 hommes, mes troupes alpines, je les ai envoyés là-haut et les autres vont faire un débarquement amphibie. Bon ben, eux, vous préparez un débarquement sur l'Australie. Là, ok, non c'est bon ça en fait au final. Ensuite, la recherche. La recherche et le développement. Les self-propellés d'artillerie, c'est dans quelle catégorie? Ah, c'est là, je crois. Ah, d'accord. D'accord, j'ai compris. Les self-propellés d'artillerie, c'est une option, entre guillemets, dans les chars. Je pensais que c'est dans les artilleries.
Ok, j'ai mis 150 points. D'accord, qu'est-ce que je peux rajouter? Communiste, non, démocratique, backroom, backstabber. Traité, on s'en branle. War industrialiste. Military construction pin, dockyard construction. J'ai suscité 1990% l'attention mondiale. C'est scandaleux. On voit pourquoi. C'est littéralement scandaleux. Oui. Donc, je suis tellement pas une menace pour la paix dans le monde. Non, t'es... De combien t'as dit de pourcentage? Ah ouais, moi je suis à 466. C'est un pourcentage. Et à la base, déjà 100%, ouais. C'est énorme. Ah, tu vois la guerre, ouais, ça cause la Bulgarie, il faut que tu fasses relâcher la Finlande. Ouais, non, de toute façon, j'ai relâché tous ces pépettes, hein. Oui, enfin, tout quitte à ce qu'elle existe encore, mais au moins que. Non, oui, je vois que tu l'as bouffé, ça sera le maître, donc voilà. Que ça soit bien gangbang, c'est tout. De toute façon, je veux qu'il reste rien. Bien sûr. Je veux qu'elle soit démantelée. Le Tibet peut entrer dans ma faction. Comment dire le Tibet? Il n'a pas compris. Faut qu'on t'explique des choses, le Tibet. On va en rentrer dans toi, éventuellement. Tu vas pas rentrer dans faction. Et toi, tu vas pas rentrer dans notre faction. Voilà. Là, c'est bien. Où est-ce qu'il y a des... Ah ouais, c'est bon, il y a plus de... Les 37. On va les ramener ici, on va annuler leur ordre. Ah oui, faut que je les rapatrie là-bas aussi avec le Canada. Devant 42. Voilà, ça c'est bon. C'est McCrinitor qui est pieux. Je peux tourner une blague maintenant. Non, j'ai pas compris. Faut le péter la caisse. L'église qui sonne chez toi, on disait que McCrinitor était pieux. Ah ouais. Bah tu vois où je peux mettre le pieu. C'est mieux là. C'est habitué presque. C'est sinistre quand même d'imaginer McCrinitor pieux. Moi aussi j'ai du mal un petit peu à comprendre le principe. Ah bah tiens, on va récupérer les interwar bombers, il y en a 3, avec un peu de chance ils vont se faire couler, enfin ils vont se faire défoncer, voilà, tout ça. Ça lag encore. Ça c'est un peu un des défauts qui manque aussi, c'est que par exemple, quand on a des bombardiers ou des chasseurs qu'on déploie, moi j'aimerais pouvoir, vous savez, déployer mon chasseur et directement lui affecter une mission. On doit, alors qu'on doit attendre qu'il soit arrivé, c'est-à-dire que le truc, c'est déjà tu penses une fois tous les 6 mois à t'occuper de tes chasseurs, et quand t'y penses, ah bah c'est fini la guerre. Donc là je mets mes closer support au-dessus, mes heavy fighter, mes tactical bomber. Et je vais te les épiques défoncer les bestiaux. Ils vont rôter du sang, ça va être interdit au moins de 18 ans. C'est des 18. Mais Peggy 40 là même. Peggy beaucoup. Peggy trop. Exactement. Bon bah moi je vais commencer à faire mon Clemson Nouvelle-Zélande. Oh. En tout cas c'est des Roxors mes chasseurs alpins. 150 jours, waouh. Les petits niveaux de mes chasseurs alpins, ils sont niveau 2. Ah non, j'ai des pécores. J'ai un mec niveau 4. J'ai la majorité qui sont niveau 2, j'en ai qui sont niveau 3. Ouais. Bon, l'avantage c'est que ça nous laisse le temps de nous replacer, ça. Construire un bord des convois, j'en ai tellement besoin pour. Pour le débarquement des convois. Bah, ça. Tout ça, je cherche les barres niveau 2 histoire qu'on puisse débarquer les mecs 50 par 50 et pas 10 par 10. Ah oui, j'en suis à où moi de mes barges? Ça c'est vraiment chiant dans les jeux Paradox, c'est quand tu fais deux parties en même temps, tu dis ah oh oui c'est bon, j'ai fait les barges niveau 3, ah non c'est dans l'autre partie. Oui mais là j'ai fait les... Ah non c'est dans celle-là, putain la vie de tata. Dans jours. Cette série. C'est près dans 90 jours moi. Mes troupes là-bas. Allez. Bulgarie. Ah mes troupes. Là ça va tomber. Tibet. Ouais voilà. La fièvre de Lhasa. Le siège de Lhasa. Tac tac tac, qu'est-ce que je voulais dire pour la... Putain, j'ai pas de... Bouge pas, copain. Bah, pourquoi je peux pas envoyer mes troupes là-bas?
je veux pas attaquer, je vais me déplacer. Kanaka from neutral country. Alors j'ai 24 troupes qui sont retrouvées sur une île en Italie et ils peuvent plus bouger. Ah, attends, j'ai demandé un droit d'accès à l'Italie. Ask for military access. The will accept. Évidemment qu'il faut accepter. J, faut accepter. Moi j'accepte rien du tout moi. Elle a vite tata. Ma famille est fermée. Territoire aussi. Ta femme elle est fermée aussi. On veut pas savoir. On veut pas savoir, les J. Mais je dirais rien. Voilà, c'est un truc comme ça. Synthétique histoire de pouvoir avoir plus de pétrole, moi. Moi je fais ça pas pour le pétrole, mais pour avoir du caoutchouc en fait. J'en ai plein de caoutchouc. Tout le monde en a du caoutchouc. Non, moi j'en ai pas assez. T'as mais pas de caoutchouc, mais comment t'as un feu qui me pose. Non, mais j'ai 70 de surplus. Ah, mais t'as un clodo quoi. C'est le style qui me manque en fait. Ça, on sait qu'il te manque le style. Hein. En même temps, tu vas me dire, j'en ai déjà partout moi des usines presque. Tu m'as encore fait une demande. Oh. Je t'ai envoyé. Moi j'ai le droit de traverser maintenant, t'as le droit de traverser mon terrain. Ouais, c'est comme ça. Ah bah c'est pas trop tôt. Take all states. Ah non, je peux pas. Ah oui, take Tibet. Du coup, tu veux pas? Non, oui, mais vu que c'était une monoprovince, c'était un peu plus compliqué. Ah oui. Voilà. Long à déplacer dans ce bled de merde. Ah mais ça... PTP de singe quoi. PTP russe, oui. Faut absolument que je mette à niveau mon équipement. Moi aussi. Bon, les medium tanks qui en manquent plus que 2000, les light tanks qui en manquent plus que 3000. 3333 jours. 148 jours, les naval bombers, je m'en branle. Il y a des fois une petite pause dans les hostilités. Bah, ça permet ouais. De. Ah, ouais, ça permet de. Ouais. On est, de revoir un peu. Enfin, nos stocks surtout. Ouais, parce que là. C'est un peu complexe là. Toi, tu vas à fond. Là. Heavy, close earth, fight. Des milliers d'avions qui se branlent les testicules. Moi, ils sont en train de... Les Canadiens disent. Voilà, les Canadiens ils disent. Comment ça se fait qu'on a des mecs au-dessus nous là? Il y a plein de bombardiers qui volent. N'inquiète pas, c'est rien, c'est des manœuvres. Et pourquoi il y a des sous-marins qui baignent dans l'eau? N'inquiète pas, c'est rien, n'aie pas craint. Et pourquoi il y a 10 fois notre armée qui arrive? T'inquiète pas, n'aie rien à craindre. C'est tout à fait normal. Voilà, il faut pas t'inquiéter. Franchement, là, c'est quand on vous dit qu'il y a rien à craindre. Ah là, c'est beau, tu vois, c'est quand tu vois que. Light tanks, allez les light tanks, putain. Bon, tiens, je vais essayer de passer vitesse 3 vu que. Enfin, vitesse plus, ouais, vu qu'il n'y a pas de y a pas d'action. J'utilise pas. Et vitesse max. Pas les avions. C'est Rika, il est lagging. Oh, mais t'es médisant, putain de ta race! J'utilise pas mes avions non plus, tu vois. J'utilise pas tes avions, j'utilise pas tes troupes, j'utilise pas tes usines. Là, vous savez ce qui puerait? C'est que j'attaque le Canada et que comme pas. Et pouf, les États-Unis rentrent en guerre. Oh non! Ah, ouais, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut attaquer d'abord l'Australie. Oui, donc faut que... Pour amener Canada à la guerre, je ouais. Crois. Parce que vu que son faction les alliés, t'attaques les alliés en Australie, l'Amérique dit bah, l'Australie c'est pas mon bled, j'ai pas d'obligation à la défendre. Du coup, bah, les alliés eux ils se débrouillent, mais bon, vu que le Canada c'est une guerre indirecte, tu le fais comme tu veux. Ouais. Ouais, tu m'étonnes, moi on va faire comme ça. Du coup, je suis en train de claimer la Nouvelle-Zélande, moi. New Zealand. Ça, j'ai cherché toutes les doctrines. Franzfurt, ça apporte quoi? Ça sert absolument à rien. Allez, on va étendre la ligne Maginot. Non. Training de fin d'épisode. Ouais, training de fin d'épisode. Donc voilà. On va arrêter l'épisode là.
On sait, c'est passionnant. Ah ouais, c'est Et voilà. Donc, sur ce, les gens, on vous dit bye bye, à la prochaine, à plus.